On souhaite à présent déterminer nom et prénom des étudiants qui habitent Vannes et qui pratiquent la danse. Alors, créons une requête. Dans un premier temps, on va écrire une requête qui détermine nom, prénom de la table étudiant, des étudiants qui habitent Vannes. Donc, issu de la relation étudiant, nous obtenons nom, prénom des étudiants qui habitent Vannes. Les voici. On va tester une deuxième requête qui répond partiellement à notre question. Nous allons déterminer les noms, prénoms des étudiants qui pratiquent la danse. Alors, dans un premier temps, on va juste chercher les numéros d'étudiants, les étudiants qui pratiquent la danse. Alors, les numéros d'étudiants sont répertoriés dans la relation pratique et les noms des sports sont répertoriés dans la relation sport. Donc, on va chercher les numéros d'étudiants, donc code étudiant. De la relation pratique. Dans la jointure entre l'étape pratique et sport. Selon numéro sport ou code sport sûrement, égal sport, clé sport, et on veut sélectionner le nom de sport est égal à la danse. Voici, donc deux étudiants. On a juste leur numéro d'étudiant. Pour obtenir leur nom prénom, il faudrait faire la jointure avec la relation étudiant selon le code de l'étudiant. Simplement, il faudrait ensuite faire l'intersection entre nos deux résultats, mais Access ne le permet pas. Alors ici, on va procéder différemment. On va conserver ce résultat intermédiaire qui nous donne donc la liste des codes des étudiants qui pratiquent la danse. Ici, on avait le nom-prénom des étudiants qui habitent Vannes. Et donc, on va demander de plus à ce que le numéro d'étudiant fasse partie du résultat de la seconde requête. Alors, on va rajouter des parenthèses ici, enlever le point-virgule sur le numéraire qui est apparu. Et voilà, notre résultat. On peut oublier la requête numéro 2 qui nous avait servi d'étape intermédiaire. Donc, comment est-ce qu'on a procédé? En tout premier lieu, on a gardé nom-prénom des étudiants qui habitent Vannes. Et on a demandé également, de plus, à ce que le numéro d'étudiant figure parmi les numéros d'étudiants des étudiants qui pratiquent la danse. Voici. Alors on va sauvegarder.